Je vais commencer par les questions qui touchaient, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et on peut les regrouper, qui touchaient justement au cas allemand, donc qui s'adressaient à Margaretha. Il y avait des questions sur la position des syndicats en Allemagne et en Europe. Peut-être tu peux en dire quelque chose aussi, Michel peut en dire quelque chose, sur la question de la réduction du temps de travail. Et aussi, comment les syndicats allemands ont été convaincus finalement que c'était un combat à défendre. Voilà. Et puis une dernière question sur le cas de Volkswagen, où ce qui était passé 25 heures à un moment, où il y a eu un recul. Donc voilà. Alors, la position des syndicats est très différenciée en Allemagne. La IG Metall a longtemps, elle a fait la lutte pour les 35 heures et aussi mon petit syndicat de l'imprimerie avec succès. Mais après cela, c'était réalisé les 35 heures de 95 et après ils ont plus fait presque rien. Et était longtemps, disons, très sceptique. Et juste dans l'année dernière, ils ont laissé faire un sondage entre 500 000 employés de la métallurgie et ils ont demandé quel besoin de temps de travail ils ont. Et il y avait un résultat très, pour eux, je crois, inattendu. Parce que la plupart, le groupe le plus grand, disait nous voulons les 35 heures que nous avons sur le papier, mais pas dans le réel. C'était le groupe le plus grand. Mais déjà, le deuxième grand groupe disait, nous voulons un travail à temps plein avec des heures entre 30 et 35. Nous appelons ça la kurze Vollzeit. C'est très difficile à traduire. Ça veut dire travail à plein temps court. Hein? Oui, comme ça. Et surtout les jeunes employés de la métallurgie et les parents entre eux ont dit il nous faut quelque chose à peu près 30 heures. Et ça a introduit un changement dans la pensée de notre directoire de notre syndicat IG Metall. Et dans mon syndicat Verdi, c'est le grand syndicat pour les services, ça commence aussi très faiblement, lentement, mais ça commence à changer. Et nous avons maintenant, au moment, la première lutte pour une réduction du temps de travail depuis 20 ans, c'est pour la poste. Ils ont la revendication de travailler 36 heures à la place de 38, qui est au moment. Alors, ça bouge, mais seulement l'année dernière, peut-être. Lentement, mais ça bouge. Est-ce qu'il y a des demandes d'éclaircissement? Donc il y a une autre question qui est revenue à plusieurs reprises, c'est la question de la productivité, parce que bon, c'est vrai que Margaretha l'avait dit, il y a des études qui disent que les deux dernières heures de la journée sur 8 heures ne sont pas productives. En même temps, on a vu dans le reportage de 97 l'homme qui disait qu'il travaillait 35 heures sur 4 jours et du coup il devait être presque aussi productif. Et donc voilà, la question c'est est-ce que en fait réduire comme ça de 2 heures le temps de travail dans la journée ou sur 4 jours, est-ce que ça crée vraiment de l'emploi ou ça augmente juste la productivité des salariés? Bon, là on a une discussion en aparté parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord avec Margaretha sur ces questions-là. Alors effectivement,
la productivité, comment dirais-je, il est évident que plus on allonge le temps de travail et moins plus la productivité diminue. Néanmoins, quand on réduit le temps de travail, on ne trouvera pas de solution intégrale dans un gain de productivité. Et si on le trouvait, si on trouvait la solution dans le gain de productivité, ça veut dire qu'il n'y aurait pas besoin d'embaucher en compensation. Hein. Là, c'est un petit peu la quadrature du cercle. Ce qui s'est passé dans les entreprises qui sont passées aux 35 heures, voire parfois aux 32 heures dans le cadre de la loi Aubry, c'est qu'on a eu en fait plusieurs facteurs qui ont permis que ça fonctionne. Alors, en gros, le schéma de la loi Aubry, c'était 10% de réduction du temps de travail, 6% d'embauche. Hein. Donc, ce qui voulait dire 4% de gain. Pour ça, gains de productivité, mais pas forcément, c'était des gains, je dirais, autofinancés par l'entreprise. Avec, pour le reste, effectivement, une aide financière qui elle-même trouve en partie, pas totalement, en partie, en grande partie son financement à travers la réduction, évidemment, des coûts liés au chômage, parce que quand on embauche effectivement 6% d'effectifs de l'entreprise, ben, c'est autant de personnes à peu près, qui quittent le chômage, donc à qui on ne verse plus d'indemnité, qui au contraire vont payer des impôts, etc. etc. Bon, donc il y a donc là plusieurs sources de financement. Hein. Dans les 4%, je dirais, qui ont été gagnés par les entreprises, en moyenne, hein, parce que dans la réalité, on a été assez près du schéma théorique sur lequel était calculée la loi Aubry. Il y a eu des gains qui ont été liés, comme là on l'a vu, à l'augmentation du temps d'utilisation des équipements. On a moins de coûts de machines parce qu'on les fait tourner plus longtemps. Donc c'est une partie du coût qui a baissé. On a pu ouvrir plus longtemps certains établissements commerciaux aussi en faisant un travail par roulement. Et puis il y a des choses qui ne sont pas... On a travaillé parfois, on a eu des vrais débats dans les entreprises. Là où ça s'est bien passé, il y a eu des vrais débats sur comment, effectivement, on peut travailler plus efficacement, aussi sur des questions d'organisation du travail. Bon. Et puis, il y a des entreprises où, effectivement, ça s'est moins bien passé, voire ça s'est très mal passé, parce qu'il n'y a pas eu cette étape de négociation où elle a été bâclée. Et puis, on a essentiellement fait de l'intensification. Et là, effectivement, ça ne peut pas marcher, quoi. Et de la même façon, on peut effectivement avoir des réserves sur une réduction du temps de travail hebdomadaire qui se traduit par un allongement de la durée quotidienne qui effectivement, dans beaucoup de métiers, bah, conduit nécessairement à une baisse de la productivité, une augmentation de la pénibilité, voire de l'accidentologie. Hein. Donc c'est vrai que là, il y a des contradictions. Mais je crois que... il faut voir à la fois qu'il y a un schéma général qui est un schéma possible et puis effectivement il y a la façon dont les entreprises s'en emparent. Moi j'ai vu des cas d'entreprises, hein, parce que je travaille au ministère du Travail, je travaille toujours d'ailleurs, j'étais en charge notamment de négocier avec les entreprises sur les conventions d'aide à la réduction du temps de travail. J'ai vu un cas par exemple d'une entreprise où on s'était mis d'accord, surtout sauf qu'on n'avait pas pensé aux nouveaux embauchés. Donc, eux, ils avaient des horaires de travail qui étaient totalement aberrants. Totalement aberrants. En gros, ils faisaient les bouches-trous, quoi, à gauche, à droite. Donc, quand on arrive à des situations un petit peu caricaturales comme ça, ça veut dire qu'on n'a pas, dans l'entreprise, une vraie négociation sur le fond, sur ce qui était possible et ce qui pouvait améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Et effectivement, après, ce sont les salariés qui en pâtissent, voire c'est l'entreprise, parce qu'il y en a aussi qui, effectivement... sont venus après en disant on a prévu une organisation mais c'est pas réaliste quoi, voilà. Donc voilà, moi je pense que ça ne peut être encore une fois que il y a un vrai coût, mais ce coût est en partie couvert par encore une fois les économies réalisées sur les coûts sociaux du chômage, hein, une grande partie. Et puis il y a des possibilités d'améliorer le fonctionnement des entreprises. Maintenant, ça ne couvrira jamais le problème, et si ça le couvrait, il n'y aurait pas d'embauche nécessaire. Est-ce que, Margaretha, comme vous aviez un débat apparemment entre vous, tu voudrais dire quelque chose sur la situation en Allemagne, la question de la productivité en cas de... Non, pas forcément. Hein. Non, ce n'est pas une discussion, c'est très différent pour la France. Parce que chez nous, il y a...
très peu, quelques-uns des économistes de gauche qui sont familiers avec notre initiative pour la réduction du temps de travail, qui parlent de la croissance de la productivité, mais pas les syndicats, pas la politique, personne. On avait aussi des questions assez concrètes que je vais peut-être regrouper sur l'applicabilité financière des mesures, notamment comment payer 30 heures, comment passer à 30 heures payer 35 sans perdre en compétitivité, et aussi comment appliquer la réduction du temps de travail dans les très petites entreprises qui représentent 60% des entreprises françaises. Disait la question, je n'ai pas vérifié. Et voilà. Donc peut-être si tu veux, ou si vous voulez. Qui veut commencer? Oui, je peux. Alors, comment payer? Le premier est que les gains de productivité qui marchent tout le temps les années dernières font déjà une base de... Qu'est-ce qu'on dit? De bénéfices dans les entreprises qui, avec lesquelles on pourrait payer toute la compensation du salaire avec une réduction du temps de travail. Ça serait une diminution des gains absolument supportable, mais c'est, j'en suis pas sûre comment c'est en France, mais en Allemagne, nous avons eu un changement de la relation de profit et de salaire du also der Anteil der Gewinne und der Löhne am Bruttosozialprodukt. À la part, un changement dans la part des bénéfices et des salaires dans le produit intérieur brut. Oui. A changé dans les années de 2000 à 2010 de 75 à 25 salaire profit dans l'année 2000 à 66 34 salaire profit dans ces dernières années. Et il faudrait seulement retourner la relation entre salaire et profit à l'état avant, et tout serait payé. Mais comme ça, cette question des compensations salariales est une question de pouvoir, des relations de pouvoir. Et les syndicats chez nous sont assez faibles, et comme ça, ils n'ont pas le pouvoir. Alors, il faut... L'imagerie populaire veut que les syndicats allemands soient puissants. Hein. Nous, en France, on a l'impression que vos syndicats sont plus puissants. Ils sont peut-être plus puissants qu'en France. Ça peut être. Mais quand même, pas tellement en Allemagne. Et alors, il faut parler d'autres ressources de financement. Et par exemple, une ressource de financement serait simplement tous les coûts qui maintenant fait le chômage. Quand nous avons une Berechnung, volkswirtschaftliche un calcul scientifique de quelques économistes qui disent avec les 30 heures, c'est à peu près le temps de travail qui produisait,
qui produirait en Allemagne le plein emploi. Alors, si on faisait ça, on pourrait épargner immense milliards d'euros pour les allocations de chômage et pour les... Chez nous, c'est aussi le... Qu'est-ce qu'on dit Miete und Strom. Loyer. Oui, parce qu'en Allemagne, les allocations chômage, il y a aussi les aides pour le loyer et l'électricité, etc. L'électricité. Nous avons fait, par exemple, une proposition pour une loi pour la réduction de temps de travail pour créer des emplois. Et on a fait un calcul comment il coûterait la compensation salariale et combien il serait l'épargne des coûts du chômage. Et chiffres maintenant, les coûts pour la compensation des salaires seraient à peu près 4 milliards et les épargnes ou l'économisation pour les coûts du chômage seraient à peu près 11 milliards d'euros. Alors ça serait déjà payé, hein? Mais personne ne veut écouter ça. Parce que aussi le chômage est un facteur important dans les relations de pouvoir. Oui, bien sûr. Une diminution de combien de temps de travail? Ces deux chiffres-là, 4 milliards et 11 milliards, calculés à partir de combien de... C'était une calculation un peu compliquée. On a fait des recherches que sont les désirs des gens de travailler moins. Et on a dit ça fait à peu près 2 milliards d'heures par an. Et quand on fait seulement la moitié dans une réduction de temps de travail, avec cela, ça serait à peu près ces chiffres. Excusez-moi, le coût de l'adaptation du chômeur pour son employabilité, vous l'avez compté, il doit être déduit de 11 milliards, je suppose. Ça devient des questions un peu techniques, mais... Non. Oui, je comprends bien. Non, c'était pas dans le calcul. Il faudrait pour la formation et quelque chose d'autre, oui. Est-ce qu'on peut, enfin, c'est sûr... Par rapport à cette question-là d'employabilité, il faudrait mettre à l'inverse le coût de la non-employabilité du coût du fait du chômage, à l'inverse, monsieur. C'est un petit peu pour ça que j'avais insisté dans mon introduction, peut-être sur des banalités, mais enfin sur ce coût social et économique d'un chômage de masse qui vraiment est quand même destructeur pour la société. Je reviens au graphique sur où j'avais mis en base 100 trois courbes. Hein. Donc on voit qu'on a plus que doublé la richesse en 40 ans. Et qu'on a diminué donc les heures de travail de 6% avec une augmentation de 28% de la population active. Bon, quand on fait plus que doubler la richesse nationale, je dirais qu'avec une croissance lente, hein, sur 40 ans, ça finit quand même par faire plus d'un doublement, ça dégage quand même des moyens pour financer la réduction du temps de travail. Alors, ce qui a sans doute été positif, ce qui a aidé au moment des lois Aubry, c'est qu'effectivement, on a été dans une période de croissance. Il y avait un contexte de croissance qui était favorable. Alors, c'est peut-être un petit peu la contradiction, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être, en théorie, si on peut, tous ces gains, toute cette richesse supplémentaire qu'apporte le petit peu de croissance, si on peut l'affecter, effectivement, à distribuer des rémunérations aux gens qui étaient au chômage et qui passent à l'emploi, au lieu de les distribuer sous d'autres formes, en salaire, en profit, etc. Enfin, on peut débattre. Mais en tout cas, si on peut affecter cette richesse supplémentaire aux gens qui passent du chômage au travail, on a financé le problème. Et encore une fois, sur 40 ans, on voit très bien, quand on compare les courbes, qu'on aurait très bien pu faire ce choix collectivement. Hein.
Alors, après, donc ça, c'est une première chose. Bon, la deuxième chose, c'est effectivement l'équilibre au niveau de l'entreprise. Bon, j'ai parlé un petit peu comment l'équilibre s'est fait au moment des lois Aubry, avec, disons, une partie de financement par la collectivité, mais enfin qui sort financé par les économies sur les budgets sociaux, une partie de gains d'organisation, et puis il y a eu aussi une partie, effectivement, de modération salariale dans les entreprises. Il n'y a pas eu de baisse de salaire, mais enfin, il y a eu de la modération salariale, alors qui a été un peu limitée aussi par le fait que, bon, c'est un peu technique, mais la réduction du temps de travail a mécaniquement augmenté les salaires horaires, et comme le SMIC est basé sur l'évolution des salaires horaires, bah, ça a poussé aussi toute la hiérarchie. Donc en fait, la modération salariale n'a pas été aussi modérée que ça. Mais ça a quand même contribué au financement. Moi, ce que je dis, c'est aussi... Pardon. Donc quand je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas refaire les lois Aubry parce qu'effectivement, la société n'est pas prête à faire cet effort collectif. Il n'y a aucun portage politique. On pourrait même revenir sur, je dirais, les offensives actuelles de la droite pour aller vers... clairement, aujourd'hui, dans les discussions sur le programme des Républicains, il y a les 39 heures payées. 35, hein, ce n'est pas une caricature. Il y a plusieurs qui l'ont dit très clairement. Hein. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui n'est pas du tout porteur, malgré les conclusions de la commission Romagnan, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Par contre, je pense qu'on peut développer des réductions du temps de travail, encore une fois, souhaitées. Hein, j'ai parlé de développement du congé parental pour les pères, on peut parler de pré-retraite progressive, ce sont des choses qui se sont déjà faites, de périodes de formation, etc. Ce sont aussi des réductions du temps de travail choisies dans lesquelles les gens acceptent aussi des réductions de rémunération qui aussi participent du financement et qui petit à petit font aussi changer l'évolution des mentalités. Moi je vais vous citer une anecdote, hein. Je suis cadre au ministère du Travail. À une époque, j'ai demandé, en étant cadre et chef de service, à travailler à temps partiel parce qu'effectivement je voulais faire un certain nombre de choses et notamment m'occuper de mes enfants. On m'a pris pour un fou. Une femme cadre encore, bon, mais tant pis, elle sacrifie sa carrière, enfin. Bon, un homme, il est vraiment taré, quoi. Voilà. Bon, je l'ai fait quand même, avec une perte de rémunération. Bruno Lamour, président du collectif Roosevelt, est à temps partiel. Bravo, Bruno. Je suis un fou. Hein ? Je suis un fou, je prends l'arme derrière. Voilà. Mais je crois qu'il y a toutes ces questions de mentalité aussi. Juste une petite question sur le doublement des richesses que vous avez montré dans votre courbe. Quelle est la part de l'augmentation des richesses finance, purement finance ? Je suis incapable de le dire. Moi, j'ai pris simplement... vous allez sur le site de l'INSEE. Vous allez sur le site de l'INSEE. Vous avez des séries d'évolution du PIB, des séries d'évolution de la population active, du nombre d'heures travaillées. J'ai pris ces séries et je les ai recalculées en base 100 en 74. Je me suis dit, tiens, ça fait juste 40 ans. C'est vrai qu'on peut fêter les 40 ans de la crise, entre guillemets. Tout le monde, enfin, en gros, on fixe conventionnellement le début en 74. Ben, 40 ans de plus, ça nous amène en 2013. Et puis, ben, on arrive à ces courbes-là, je crois, qui montrent qu'effectivement, il y a un choix collectif qui était possible et qui l'est encore et qui, à mon avis, est nécessaire si on veut effectivement sortir d'un certain nombre de problèmes sociaux. Et si on veut aussi prévenir un certain nombre de problèmes écologiques, il faut qu'on en passe par là. Il y a une question qui dit, croyez-vous clairement que, franchement, que la RTT va résoudre le problème du chômage ? Non, je ne le crois pas, parce qu'effectivement, d'abord, on n'arrivera pas à faire une RTT massive collective, donc ça ne pourra être que très progressif. Donc ce qui est progressif, évidemment, n'a qu'un impact très progressif. Encore une fois, je considère que ça n'épuise pas la question. Il y a des questions de politique industrielle, il y a des questions d'éducation, de formation. Bon, il y a différentes questions qui doivent être traitées, donc le débat n'est pas épuisé. Par contre, j'affirme qu'on ne réduira pas substantiellement le chômage si on ne passe pas par une réduction du temps de travail, ce que j'appelle une réduction équitable, une redistribution équitable du travail. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut poser la question. C'est pas que ça suffira pas, mais on ne fera rien sans prendre aussi cette voie-là. Et donc il faut sortir de ce débat interdit dans lequel on est aujourd'hui. Il y avait juste une petite question, juste pour revenir très vite, c'est une question très précise et très concrète sur le coût, la question du problème de la réduction des charges sociales.
que pas mal d'entreprises. C'est une modalité, c'est une modalité d'aide, hein, c'est tout, c'est une modalité technique. Hein, on ne sait pas verser de l'argent tous les mois à l'entreprise, par contre on sait l'autoriser à déduire cet argent de ses cotisations sociales. Hein, donc c'était ça les modalités de financement dans la loi Le Revient ou dans la loi Aubry. C'est une modalité technique, c'est tout. Ça, c'est comme si on avait versé une prime tous les mois. Hein. Je pense que le contrat. Les grosses dépenses que l'État a fait pour CICE, c'était bien fait dans cette volonté-là. Je crois que les entreprises en ont profité, ils n'ont pas embauché de l'autre côté. Mais je voulais poser peut-être une question, c'était peut-être dans le film, je suis désolé, j'étais en retard. Non, il n'y a pas de problème, allez-y, posez votre question. C'est sur le côté pratique, je reviens à l'histoire des très petites entreprises, oui. Des petites même entreprises, le côté pratique d'être remplacé, quand on est, moi je pense que dans la réduction du temps de travail, moi j'ai constamment les temps modernes dans la tête, super simple. Un ouvrier, et d'ailleurs vous avez repris un exemple de métallurgiste, une grosse boîte, et dans les grosses boîtes, on se dit oui, c'est faisable, dans les grosses administrations, c'est faisable, un cadre même très important, il peut être remplacé. Dans des petites et moyennes entreprises, pratiquement, comment on fait? Est-ce qu'il y a vraiment des études sociologiques lancées là-dessus sur cette faisabilité, parce que je pense que c'est ça aussi qui freine dans l'optique populaire, on se dit c'est pas faisable. Mais chez moi, en tout cas moi j'en ai accompagné un sacré tas de petites et moyennes entreprises qui se disaient concrètement c'est pas faisable pour moi de réduire mon temps. On a entendu la question. Oui, je peux apporter un témoignage. Donc j'étais dans une entreprise de dans une DIMSCOP consultant, on était 5. Comment on fait? On n'a pas pu mettre en place la consultation à la place de l'entreprise, on n'a pas pu mettre en place les 35 heures, parce que comment on faisait quoi? On trouvait qui pour s'adapter à nous, pour venir un gars qui allait faire un peu plus de bon sens, parce que ce n'était pas possible matériellement, on n'a pas pu le faire. Voilà, d'autres compensations, on n'a pas pu le faire. Après, je pose une autre question, par exemple, dans le secteur des services à la personne qui est en train de se développer, alors, avec certes des emplois. Un temps partiel, difficile, etc. Comment on fait pour mettre en place ça, quoi. En service à personne, on est massivement sur du temps partiel. Donc, mais c'est vrai que dans les entreprises qui sont passées à des 35, voire des 32 heures, hein, dans le cadre de la loi de Revient ou des lois Aubry, il y a eu des entreprises de toute taille, hein, y compris dans celles qui ont devancé l'appel, comme on peut dire, hein, qui ont profité de la partie des aides plus importantes qui étaient incitatives avant le passage à la durée légale à 35 heures, il y a eu des entreprises de toute taille. Après, la question, c'est effectivement comment ça se discute dans l'entreprise. Bon, vous avez considéré que la solution n'était pas possible ou était trop compliquée. Bon, il y a des petites entreprises qui l'ont mis en place, des entreprises de 3, 4, 5 personnes. Hein. Alors après, chacun, il faut qu'il y ait vraiment une réflexion partagée sur la stratégie de l'entreprise et la façon dont elle peut évoluer. Hein. Donc effectivement, moi j'ai pas de réponse générale, mais c'est dans chaque entreprise que ça peut se discuter. C'est évidemment complexe, mais même dans des grosses, vous avez des problématiques d'un nombre limité de personnes qui connaissent certaines, qui sont spécialistes de tel ou tel sujet. Hein. Et après, il faut qu'il y ait des adaptations de l'organisation. Mais encore une fois, il faut d'abord qu'il y ait une discussion sur le projet de l'entreprise. Voilà. Et il y a eu des petites entreprises où il y a eu des négociations intéressantes et où on a fait des pourcentages d'embauche plus importants que ça. On est allé même au-delà de 10% parce qu'on a été dans une stratégie d'entreprise où on s'est dit, bon, on peut attaquer ce nouveau marché. On l'aurait peut-être fait. On va pouvoir embaucher un commercial. Et puis on fait l'investissement pour aller sur un nouveau marché, par exemple. Voilà, c'est le type d'exemple. Margaretha, vous voulez réagir sur cette question rapidement? Alors, c'est juste une insertion dans la question. En fait, il y a l'exemple emblématique qu'on cite toujours au sein du collectif, qui est cette fameuse auto-école de Rouen, oui. Où ils étaient 5 personnes, et ils sont passés à 6 personnes en réduisant le temps de travail.
et en répartissant le temps de travail, c'est-à-dire que le samedi, les 6 personnes étaient là, ça a permis d'augmenter en fait le nombre de clients de l'auto-école, et puis, je ne sais plus, le lundi où il n'y avait personne qui venait, eh ben, il n'y a plus que 4 personnes qui travaillaient. Ils se sont répartis le travail entre eux. Et ils ont financé la réduction du temps de travail par l'augmentation en fait, de leur chiffre d'affaires et par les réductions de charges. Mais c'est un exemple qu'on trouve sur le site, enfin, en tout cas, on trouve cet exemple qu'on pourra le publier. Et il est financé. Margarita, sur cette question, j'ai après une question ici. Alors, cette question est. cette question est c'est très compliqué parce que ça dépend vraiment comment est la division du travail dans une entreprise. Parce que c'est plus compliqué, par exemple, nous avons les lois pour une réduction de temps de travail que nous avons en Allemagne ou que nous proposons ont toujours une clause que ça est seulement pour les entreprises avec plus de 15 employés. Oui, mais quand même. Ce que Bruno a dit, je crois, c'est juste parce que il y a aussi des exemples. Par exemple, nous avons fait une collection avec des bons exemples d'entreprises qui ont réduit déjà plus que 35 heures. Et il y a aussi là des entreprises avec, par exemple, 5 employés et qui ont réduit à 30 heures, par exemple, mais ce sont des gens qui font des choses très similaires. Et il est essentiel que la communication entre eux est très très forte. Que chaque sait que l'autre fait. Si un n'est pas là, l'autre sait qu'il, à peu près qu'il faut faire. Et comme ça. Alors, c'est une question vraiment très concrète. Mais c'est possible. Mais pas partout. Est-ce qu'il y a une politique de concertation syndicale entre les syndicats européens sur la réduction du temps de travail? Ou alors est-ce que chaque syndicat reste dans sa culture nationale? Ça, je crois bien. Oui, c'est une très très bonne question. Mon information dernière était que nous avons la Confédération européenne des syndicats, EGB. Et la dernière rencontre où on parlait d'une réduction de temps de travail, seulement le syndicat d'origine communiste italien a parlé de ça. Nul autre. Il y a maintenant un petit mouvement, par exemple, dans la Confédération des syndicats autrichiens, mais seulement, disons, 35 heures, peut-être. Et chez vous, ici, en France, je crois que c'est seulement Solidaire qui a l'exigence de travailler moins pour travailler tous. Ils disent ça. Oui. Mais c'est très petit. Hein. Et en général, il faudrait, parce que nous aurons maintenant une réforme ou l'essai d'une réforme de la directive européenne du temps de travail. Ça marche et la Commission a une idée complètement néolibérale. Faire tout flexible et c'est très dangereux. Et pour cette réforme, les syndicats européens doivent se coordonner. Mais je ne sais pas comment développer ces deux-là.
Alors, deux petites questions orales avant que tu reprennes les questions écrites, d'accord ? Alors, allez-y. Pas de problème, allez-y. Oui, donc moi, je voulais dire, il me semble, personnellement, que c'est un faux problème, la réduction du temps de travail. Parce que la réduction du temps de travail, elle se reporte sur l'aménagement du temps de travail. Et je vais être concret, c'est-à-dire que, comme l'auto-école, comme la diapo du numéro 4 là, elle explique quelque chose, ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est que si j'ai besoin, en tant que patron par exemple, si j'ai besoin d'un certain nombre de salariés avec un certain nombre d'heures pour une production bien spécifique, je dis à tout le monde, venez travailler, et dès que ma production diminue, RTT pour tout le monde. Donc ce qui fait que, en réalité, l'aménagement du temps de travail, c'est un meilleur rendement qui se produit, et c'est pas pour ça qu'il y aura beaucoup plus d'emplois pour tout le monde. Le problème qui se passe, et ce qui a été expliqué, c'est que pendant les 30 glorieuses, il y avait des quotas. Il y avait des quotas qui permettaient, à travers les pays, de produire et ne pas supprimer leurs emplois. C'est le problème qu'il y a eu et c'est ce qui a généré la guerre de 1939, parce qu'en 1929, justement, les pays étaient ruinés parce qu'il n'y avait plus d'emplois. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais moi je suis prêt à vous expliquer davantage les choses. Et simplement pour vous dire, Mélenchon, sur le livre Le Hareng de Bismarck, il explique très bien la situation des emplois à 1 euro en Allemagne. Et il explique de façon formidable ce qui se passe, le problème qui se passe au niveau du mauvais emploi. On a encore. On n'a plus beaucoup de temps et on a encore quelques. Voilà. Alors je vais redire ce qu'on disait au début. Si vous pouvez faire des questions rapides, voire des réponses rapides. Nous avons encore beaucoup de questions et j'ai pas répondu. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'on accélère un petit peu. Donc vous voulez poser une question rapide alors. Et puis on repasse aux questions écrites. Oui. L'histoire du chômage, c'est une bonne chose. Ça permet la paix sociale. Les gens restent tranquilles. Je crois qu'il y a inflation, il n'y a plus pratiquement d'inflation, mais bon, voilà, grâce au chômage. Il n'y a pas de revendications, il n'y a pas de mouvements sociaux, etc. quoi. Et si je me souviens bien, quelqu'un aura peut-être ça en tête, il avait été fixé au niveau européen une norme, un taux de chômage à atteindre, mais pas forcément dépassé, je ne sais plus combien de pourcentage, 9% je crois. Pour justement faire pression sur les salariés, revendications salariales, mouvements sociaux, etc. Bon, alors, et puis aussi, vous vous placez dans un contexte qu'on connaît depuis longtemps. Moi, je me souviens d'une publication adresse. Travailler 2 heures par jour, c'est les années 70. C'est vous qui avez écrit la question. On ne connaît pas. On n'avait pas compris. D'autre part, il va y avoir une industrialisation assez forte, sinon un effondrement de la société industrielle, avec des impacts sur l'agriculture, sur les services, etc. Et qui va devenir l'emploi, qui risque d'augmenter dans l'agriculture, les besoins d'emploi, dans les services sans doute aussi. Voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses, quoi, parce qu'apparemment, vous êtes en dehors de cette perspective, qui est très, très possible. On a encore pas mal très à la réunion. Alors, donc, merci. Bon, donc, vous reprenez vos... On avait des questions sur le compte épargne-temps et sur une réduction du temps de travail possible tout au long de la carrière. Il y avait plusieurs questions là-dessus. Sur le compte épargne-temps, déjà, peut-être. Oui.
Bon, il y a quelqu'un bon, qui dit vous n'avez pas parlé du compte épargne temps. Bon, enfin, le compte épargne temps, c'est une modalité. La question après, c'est effectivement comment on négocie sur l'utilisation de ce compte épargne temps. Là, ce qui était indiqué, c'était le compte épargne temps bon, pour partir plutôt en retraite. Bon, là, bon, c'est un débat, je dirais, bon, je sais pas à trancher, hein, moi, je ne suis pas forcément pour ça, mais bon, il y a des gens, par exemple, dans le groupe de travail du collectif Roosevelt, on n'est pas tous d'accord, qui effectivement défendent une idée d'un compte épargne-temps, ça pourrait faire partie de ces nouveaux comptes d'activité là, dont on nous parle, et qui effectivement permettrait de stocker des droits pour partir plutôt en retraite, pour aller se former, pour faire autre chose. Bon, ça fait partie des modalités, à mon avis, qui peuvent être discutées. Hein, ça, c'est pas... Bon, voilà, on n'a pas parlé de tout ce soir. Bon, il y a quelqu'un qui dit également qu'il faut penser la RTT par secteur d'activité. Comment imaginer les mêmes règles dans l'industrie, le tertiaire, l'éducation, la culture, la santé? Bon, moi tout à l'heure j'ai dit qu'il faut discuter même au niveau de chaque entreprise parce qu'effectivement la faisabilité de la réduction du temps de travail, ça implique une discussion sur le projet même de l'entreprise et la façon dont elle peut mieux fonctionner. Bon, il y a un sujet par exemple qu'on n'a pas évoqué. Aujourd'hui on parle beaucoup de ce qu'on appelle les entreprises libérées. Des entreprises dans lesquelles on augmente de façon très importante l'autonomie des salariés, on réduit l'encadrement, je dirais qu'on recentre l'encadrement sur des fonctions d'appui technique et moins de reporting, qui était quand même la grande mode ces derniers temps, le reporting, mais qui n'est pas productif en soi. Hein. Et dans ces entreprises libérées, effectivement, ben, on voit qu'il y a des problèmes techniques qui se résolvent tout seuls, on voit qu'il y a des améliorations de l'organisation, il y a des gains importants qui se font, simplement parce qu'effectivement, on libère les initiatives. Bon, ça fait partie aussi peut-être des réflexions sur comment on peut mieux travailler. Hein, voilà. Sur la question 2 heures par jour, déclin de la société industrielle, bon, là, je dirais, ça engage très loin dans un débat qu'on ne peut pas engager à cette heure-là. Moi, sans aller jusque-là, bon, je pense que là, ce qu'on a essayé de montrer ce soir, encore une fois, c'est pas que la RTT va être la solution de tout, c'est que c'est un élément nécessairement d'une solution, justement dans une perspective alors qu'on peut appeler déclin de la société industrielle. En tout cas, la production industrielle, elle n'a pas baissé hein, depuis dans ces 40 ans de crise. Hein, la production industrielle, elle a augmenté. Par contre, effectivement, sa valeur dans le produit intérieur brut, elle s'est considérablement... C'est une question de ressources, c'est pas une question de pourcentage dans le PIB. Alors, excusez-moi. Donc, en fait, on essaye de donner des réponses rapides aux dernières questions posées. Oui. Et puis, comme on vous propose un rafraîchissement après, vous pourrez reprendre un petit peu la discussion. Voilà. Il y avait une question qui allait un peu au-delà de la question du temps de travail, qui est peut-être intéressante pour finir. C'est la question de la définition du travail, et notamment des débats autour du revenu d'existence. Grundlein, quand même. Mm-hmm. Débats qui sont aussi présents en Allemagne. Alors ni l'un ni l'autre ne sont forcément spécialistes de cette question-là, mais peut-être si vous avez des choses à dire. C'est un sujet beaucoup plus large, effectivement, beaucoup plus philosophique. Je ne sais pas si le collectif Roosevelt. Je pourrais dire quelque chose parce que chez nous en Allemagne, il y a un débat très très élargi. Du Grundeinkommen. Revenu d'existence, revenu minimal. Revenu d'existence. De base, on dirait. La question, c'était d'existence. Oui, inconditionnel. Voilà, il y a plusieurs termes. Et par exemple, il y avait juste avant le week-end avant un grand débat dans notre parti de gauche sur ce sujet-là. Et la moitié est pour, l'autre moitié est contre. et à mon avis, une revenu de base pourrait être un pas d'émancipation si il serait, si elle serait à un niveau très haut. Minimum 1000 euros. Parce que tout autre voudrait seulement faire. Que
rendre permanent la contrainte de travailler en plus à la revenu de base, et voudrait ouvrir aux employeurs de dire ah, votre besoin de base sont déjà satisfaits, alors nous pouvons payer un salaire moitié. Et ça, c'est un risque très grand avec cette idée d'une revenu de base. Pour ça, seulement si elle serait très haute, ça pourrait être émancipatoire. Et ça, mais ça, il y a des grandes questions de financement. Et seulement si la revenu de base serait flanquée d'une répartition du temps de travail que, pour que tout le monde pourrait travailler, ça serait une idée peut-être bonne. Il y avait une question sur une proposition de la TD Quart-Monde qui est peut-être aussi un peu. C'est un élargissement. Est-ce que tu veux Moi, je pense que la personne pourra y revenir, mais enfin, l'idée, c'est de la TD Quart-Monde, si je l'ai bien comprise. Celui qui a posé la question pourra y revenir. C'est de dire on fait une expérimentation sur un territoire, on part des compétences des demandeurs d'emploi, et puis on cherche à mettre en place des emplois d'utilité sociale, je dirais, qui servent à la collectivité, qui répondent, qui permettent de valoriser les compétences de ces personnes. J'avoue que je ne sais pas d'informations précises sur ces expérimentations. Peut-être quelqu'un peut en parler. Quand on dira un mot, du coup, l'expérimentation est présentée dans ce petit livre qui est encore ici, qui est c'est le pacte civique qui a fait ça. L'idée, c'est, Carmont, c'est de calculer le coût d'un chômeur longue durée. Combien ça coûte ? Et ils ont fait le calcul, ils estiment que c'est 15 000 euros par an. Ça coûte à la société 15 000 euros par an. Donc ils veulent une loi d'expérimentation en disant à l'État, donnez-nous ces 15 000 euros, vous vous occupez tout de ce chemin en durée, donnez-nous ces 15 000 euros, on va financer un emploi avec ça. Et de l'autre côté, sur le même territoire, quels sont les services qui ne sont pas rendus hors secteur marchand ? Il ne s'agit pas de faire la concurrence, voilà, et de rapprocher en fait ces chemins en longue durée, ses besoins hors secteur marchand, et de financer par le coût d'un chemin en longue durée. Margaretha, vous voulez dire encore une petite chose ? Oui. Je voudrais bien, peut-être à la fin, dire beaucoup des questions que nous avons discutées maintenant, on peut déjà répondre quand on regarde les exemples existants des entreprises qui font déjà les 30 ou les 32 heures. Il y en a en France, je crois, 400 entreprises qui font la semaine de 32 heures. Et ils ne sont pas dans l'insolvence, ils n'ont pas de problème d'organisation plus grand que les autres entreprises, et la plupart est assez content. Ou, par exemple, l'expériment à Suède, là aussi, ça marche. Et les gens, les profits ne sont pas tombés, les gens sont contents, et la productivité a augmenté. Et aussi, chez nous, à Brême, nous avons collectionné des bons exemples avec des entreprises qui font ça déjà. Et à mon avis, ça serait très, très utile, beaucoup plus discuté et publié ces bons exemples existants. Bruno, peut-être que tu avais fait des cartes. Tu fais semblant d'être connu tout le monde. Oui, donc je suis président du collectif Roosevelt. Voilà. Oui, ben, ça tombe très bien ce que tu viens de dire, Margaretha, parce que justement, on vient de lancer un groupe de travail au sein du collectif dont l'objectif est d'identifier ces entreprises et d'essayer de les repérer.
Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que quand on veut, on a un exemple précis. Il y a un patron, son nom c'est Alexandre. Il ne veut pas qu'on donne son nom. Pourquoi ? Parce que ça va lui créer des problèmes dans sa branche. Il est passé à 32 heures. C'est quelqu'un qui fait de la biotechnologie à Lyon et il ne veut pas qu'on donne son nom. Et beaucoup d'entreprises qu'on a contactées, ils ne veulent pas qu'on fasse de la publicité sur le fait qu'ils sont passés à 32 heures du temps de Neurobien. Voilà. C'est finalement une question taboue au sein de notre société. Voir le rapport Romagnan dont a parlé Michel, il faut lire les conclusions. Le rapport est un peu épais, mais il faut lire les conclusions. C'est très intéressant. Et on a fait quasiment aucune publicité. Donc on est face à une question taboue. Et en face de ça, on est branché sur les frémissements de la croissance en espérant que ces frémissements vont inverser la courbe du chômage. Donc c'est quand même une situation, je trouve, un peu ubuesque, quoi. Alors... Excuse-moi, voilà. Juste un mot, Alexandre, c'est le papier dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà. Le financement de la semaine de 4 jours, enfin, financement complètement établi, le papier est disponible. Alors à la conférence qu'on a faite il y a 2 semaines sur le climat et l'emploi, Dominique Médard a rappelé une chose, elle dit que la question de la redistribution du travail et de l'emploi, c'est pas d'abord une question technique, c'est une question politique. Est-ce qu'on en a envie ou est-ce qu'on n'en a pas envie? Parce que la question du financement, si on en a envie, on trouvera. En fait, on est au cœur d'une question, c'est est-ce qu'on fait suffisamment? Enfin, la question du plein emploi, c'est une question liée à l'innovation sociale. Il faut s'engager dans l'innovation sociale. On ne le fait pas suffisamment. Donc je rappelle ce petit livre-là, chapitre 3, ça s'appelle « Innover », c'est des tas d'idées, donc celle d'ATD Carmont dont on a parlé, qui montre qu'on peut innover dans le plein emploi. Notre contribution, ça a été proposer la réduction du temps de travail. Je veux juste dire une chose aussi, puisque on est en ce moment dans les grands débats sur le climat. Il y a eu la rencontre de Bonn, il y a la COP21 à Paris. René Dumont, en 1974, quand il est interviewé donc le premier candidat vert, enfin écologique, aux élections présidentielles, il est interviewé, donc il porte la question écologique, il est le seul à la porter, on s'en souvient. À une question d'un journaliste qui lui dit « Mais c'est quoi votre principale mesure ?» Il répond « La mesure sans laquelle toutes mes autres propositions écologiques ne seront pas possibles, la première mesure, c'est réduire les inégalités sociales. » Donc le candidat vert qui porte les questions écologiques, c'est la première mesure qui dit « C'est commencé par là. » Et on est dans une situation bien pire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'au sein du collectif, on essaie de porter cette question de l'emploi, de la réduction du temps de travail, dans le débat sur la réduction, sur le changement climatique, et en particulier au cœur de Alternativa, donc, qui aura lieu le 26 et 27 septembre, Alternativa Paris, Place de la République, auquel on vous appelle à participer. Alternativa, c'est encore... L'innovation dans tous les domaines. L'innovation pour comment faire cette transition vers une nouvelle société qu'on espère tous. Et c'est du concret, quoi. C'est-à-dire c'est les gens qui viennent et qui disent voilà ce que j'ai fait pour manger correctement, voilà ce que j'ai fait dans le domaine de la santé, voilà ce que j'ai fait, etc. Et nous, on portera cette question, la question de l'emploi, au cœur d'Alternativa. Voilà, je voulais juste aussi vous dire, puisque je parle d'Alternativa, il y a un petit livre que Alternativa vient de sortir et qui est très intéressant sur la transition et qu'on en vend ici. Et puis bien sûr, l'abécédaire qui répond à beaucoup de questions qui ont été posées ce soir. J'ajouterais que au sein du collectif, on va bientôt sortir, on sort un 8 pages sur le climat. On va sortir bientôt un 8 pages sur cette question-là et un 8 pages sur la régulation bancaire et financière. Trois sujets qui sont bien évidemment liés, qu'on ne peut pas séparer. J'oublie quelque chose, je suis sûr.
Non, si, bien sûr, j'ai oublié une chose importante qui me tient à cœur. En réfléchissant à cette conclusion, je me disais, je pensais à la Grèce. Aujourd'hui, Michel montrait les chiffres, c'est, chez les jeunes, c'est le taux d'activité des jeunes de 15-25 ans en Grèce, c'est 15%. Taux d'emploi. C'est-à-dire que 15% des jeunes de 15 à 25 ans travaillent en Grèce. Les autres ne sont pas aux études. Et je me disais, or, si on fait un parallèle, 85% de la production d'électricité en Grèce est d'origine fossile, essentiellement de la lignite. Alors qu'il y a du soleil, il y a de l'air, etc. Voilà. Donc, c'est là où les deux choses sont liées. C'est-à-dire, on ne peut pas demander au peuple grec aujourd'hui de se mobiliser pour le changement climatique quand les gens ne peuvent pas payer leurs médicaments, n'arrivent plus à payer leur électricité et font qu'une seule chose, c'est de faire en sorte que leurs enfants quittent la Grèce. Voilà. Donc, c'est pour montrer que la question sociale et la question écologiques sont liés. On ne pourra pas traiter la question écologique si la question sociale n'est pas traitée. C'est aussi pour vous dire que du 20 au 26 juin, il y a une grande semaine de mobilisation pour soutenir la Grèce dans son combat, on peut dire, par rapport à ses créanciers représentés par la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale. Voilà, donc on espère qu'il y aura du monde, parce qu'il se joue quand même quelque chose d'important pour l'Europe en ce moment. Voilà. Pour la Grèce et l'Espagne, il y a Yanis Yuluntas qui prépare un nouveau film. Alors il y a eu « Ne vivons plus comme des esclaves », et le prochain c'est « Je lutte donc... »